Shiolilu Nishmat, Rabbi Eliyahu ben Tova Baya, Rabbi Raphaël Sadia ben Chnina Chana, Charlie ben Shlomo ben Myriam, et l'Irfoua Shlema, Rabbi Moshe ben Zari, Hanyana Chaya bat Rosina Ruchama, Rabbi Chia ben Aisha, Neouraï ben Mir ben Mazal, Gad, Rav Gad ben Esther, Nissim Raphaël ben Nathalie Rivka, Jacqueline ben Aïda, Yaakov Shalom ben Rachel, Shaul ben Sarah, Avram Albert ben Michal Zohara, Micheline, Esther, Batrana. Le Chafetz Chaim nous dit Veim chazé shalom à la shonara aya la vivimo. Quelqu'un qui fait du la shonara sur son père ou sa mère. Over à la roue réveille. Une quatrième malédiction. Veuaro makle avivimo. Kemo shibirnu lehei be asin ot yud bimkor achaim ber maïn chaim. Veadou à mamar agma bishvot. De arour bo klala bo nidoui. Dans arour, c'est une klala, malédiction, nidoui, mise en. Excommunié. Quelqu'un qui n'a pas fait attention de cette avéra. Il faut qu'il tremble. Peut-être qu'ils l'ont excommunié. Quelqu'un qui est excommunié, c'est-à-dire qu'il ne fait plus partie de la communauté. Etc. Il y a plein d'inyanim raïm qui tournent autour du lachonara, qui mot midat achzari ou tagroa. Quelqu'un qui fait du lachonara amplifie sa mida de achzari ou de. Achzari, c'est. Il n'a pas de pitié. Midat akas, la colère, shuavon chamour, qui mot shiflingu chazal bishabbat. Vegan kama permimba aliedeze le tsanout, la rigolade, bichar midot raot. Toute la pticha qu'on vient de faire, tous les lavim et tout lassé, pour pas arriver au avon ara shel rechilut et lachonara, ba'ara lanu a Torah befirush isurze vekatva alia lav miyuchad. On l'a mis, la Torah l'a dit befurash lo telech rachil be'amecha. Donc c'est marqué befurash lo telech rachil be'amecha. Un rochel, c'est quelqu'un qui est rapporteur. Yoter me al kol amidot araot, plus que toutes les autres midot, kemo shekatvu shekatamnu betchilat apticha, ou beze nishlam apticha. Et fini le Chafetz Chaim avec ces quelques mots. Bavakesh les dit à Koré, shezot apticha yikare veyachzor veyikra. Apticha, il faut la répéter pour se sensibiliser à la gravité de la chose. Ki hi bevadai moila linyanze al laaba yoter min akol, ça qui est moil. C'est-à-dire, qui t'empêche de faire le lashon hara, c'est de se sensibiliser à la gravité de la chose. Qui est melu ketet me et arishonim, asher divrehem kidushim et teorim, boarot ki maria lepidim. Ça revient des rishonim, qui leurs paroles sont comme des flammes. Bevadai shamuru et tatzman mimida groa azo ad tachlita. C'est sûr qu'ils faisaient attention à ça. Alken divrehem poalim et od belev koreen. C'est donc leurs paroles peuvent marcher sur notre cœur, étant donné que c'est des paroles saintes qui viennent des rishonim qui ont. Fais attention à cette avéra. Machma ici que hein, si je te dis de faire quelque chose et je le fais pas, mes paroles n'auront pas le même impact que si je le fais. Vegam yeda akore shelo lakarti et alavin vaasin kefi aizdamen rak chakarti vadarashi etev vatetareg mitzvot. Donc le Chafetz Chaim nous dit qu'il a bien été choker pour savoir quels sont les lavim les assez. Verbe yigyot yagatia tshehazar. Shazaran Yakadosh Baruch Hu, il s'est fatigué chez Matsati, et éloigné au tin l'inyanenu, parce que Kadosh Baruch Hu lui fasse ouvrir les yeux et qu'il trouve ces perles de Torah, que des chelo y palé be'ene akore, que van chegadol kol kach koach haïsur shel lashon hara vechen kol shel on at dvarim, c'est très grave. Lama matzinu bagmara kama pe'amim shirae lechaora shamora echad mekan ter lachavero. Comment se fait qu'on voit dans la Gemara souvent qu'il y a un amoura qui va être mécanter, c'est-à-dire qu'il va parler gravement à son ami. Gamalze pakarti enai. Même sur ça, j'ai ouvert mes yeux. Le Chafetz Chaim dit. C'est-à-dire que souvent, on voit dans la Gemara que c'est pélé comment il se parle. Alors le Chafetz Chaim dit, t'inquiète pas, je vais en parler. Ve takti mechamadze tchuvat chavot yair. J'ai été matik la tchuvat du chavot yair. Ve sof hasefer. Ve gam arve ma'amarim teratzti be'atzmi betoch hasefer. Zeher sham, etc. Ok. Donc comment on commencera ilchot issur la shonara. On est daf même alef et on a vu l'histoire de la piscine, donc que je répète, une piscine, il faut pour que ça soit moutard,
Il faut avoir pied. On ne peut pas nager dans une piscine, on ne peut pas décoller les pieds du sol, il faut avoir pied. Et pas seulement avoir pied. Alors même si on a de l'eau jusque-là, qu'on a pied, il ne faut pas se mettre en position de nager. Donc rester debout dans la piscine. Deuxièmement, il ne faut pas porter de maillot. Sinon, il y a un autre problème de kibous. Et évidemment, il faut qu'il y ait des rebords. Vamara Bizera, je suis aux deux points, même Aleph Amoudalef. Amara Bizera, Ana Chazitel Rabbi Avahu. Moi, j'ai vu Rabbi Avahu, Shiniach Yadav Keneged Panav Shel Mata. Donc la même chose, hein. Rabbi Zera, il a vu Rabbi Avahu qui était en train de nager. Il s'est demandé, il a pied ou il n'a pas pied, ok. Alors Rabbi Zera, il a vu, apparemment Rabbi Avahu, sortir du bain. Ou il a vu sortir, ouais, on va dire sortir du bain, avec les mains devant les parties. C'est-à-dire qu'il se cachait, il avait peur d'être nu. Machma de là qu'il n'avait pas de maillot. Bon, ça n'existait pas les maillots, mais on voit qu'il est rentré nu dans l'eau, ok. Shiniach Yadav Keneged Panav Shel Mata. Il a mis ses mains devant... Hein. Ça brite Mila. Velo Yadana Inaga et le Naga. Je ne sais pas s'il se touchait ou s'il ne se touchait pas. Juste, il mettait ses mains pour ne pas qu'on voie. Alors, l'Agma, elle va dire il y a deux problèmes ici. L'Agma dit premier problème, évidemment qu'il ne se touchait pas. Parce qu'on n'a pas le droit de se toucher la brite. Pshita de le Naga. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est Nogia dans sa brite, ou Mitra même, il risque d'avoir Shechvatzera Levatala. Detania, Rabbi Eliezer Omer, Kola Oches Behama Omachit, celui qui attrape la Hama pour uriner, Keilou Mevimaboula Olam. Parce qu'il peut s'amener à Shechvadzer Levatala, ce qui a amené le Maboul au temps de Dora Maboul. Puisque là-bas aussi, ils étaient au vert sur le Issour de Shechvadzer Levatala. Que Kadosh Baruch Hu a donné à travers ce Zera la vie, et un homme il s'en sert pour son plaisir personnel, c'est grave. Donc c'est sûr qu'il ne se touchait pas à la Gemara, elle dit, évidemment, Mahashela. Amar Abaye, non. La Shela, elle est Aswa ke Boléchet. On l'a considéré comme Boléchet. Ça veut dire quoi? La Gemara explique que Boléchet, c'est les Chayaim qui rentrent dans la ville. Ok, des Goïm, les soldats ils rentrent dans la ville. Des Tnan, Boléchet, Shenichnesa Laïr. Voilà que les soldats ils rentrent dans la ville. Béchaat Shalom, si c'est le Shalom, donc il y a les soldats qui rentrent dans la ville, mais il n'y a pas de guerre, c'est les soldats de la Médina. Chaviot, Tuchot, il y a des fûts de vin qui sont ouverts. Alors c'est sûr que les Chayaim ils sont venus, ils se sont servis. Donc le vin, il est assaut. C'est Tamianam, ils ont touché le vin. Assurot. Stumot, si les chaviot, elles sont fermées. Moutarot. Alors, Minastam, elles sont restées fermées. Il n'y a pas de rachach à avoir qu'ils ont ouvert les chaviot. Ok. Ça, c'est quand c'est le shalom. Béchat, Milchama, quand c'est la guerre, qu'est-ce qu'il a le chayal? Il a peur. Il n'est pas bien. Est-ce que tu crois qu'il va penser à boire du vin? Pense pas à boire du vin. Et l'ouvre le moutarot, tout est moutard. Même quand il va passer devant un fût de vin ouvert, il ne va pas se servir du vin. Il est apeuré par la guerre. Les fichien, pnaï les nasser, il n'a pas le temps de faire nisouchayay. Alma, qui va débaïti, l'homme menacerait. Quelqu'un qui est pris par la peur, il n'a pas le temps de penser à ça. Achanami, qui va débaïti, ici aussi, quand il est en train de sortir du fleuve, il a peur. Quand il est dans le fleuve, il a peur. Il a peur de quoi? De se noyer, il a peur de tomber. L'oate l'irouré, donc il n'y a pas de irou. Le fait de se toucher, ça ne va pas l'amener à se demander, se poser des questions de plaisir. Parce qu'il n'est pas là, il n'est pas là. Il est parad. Donc c'est pour ça que la Gemara dit, je ne sais pas s'il se touchait ou pas. Ah, tu as dit que c'est interdit de se toucher? Oui, ça c'est quand on est béchalva, on est béchalom. Mais quand on est béparad, il y a chalot que c'est mouta. Vacham al-bituta, c'est quoi la peur qu'il avait, Rabbi Avahu? Bituta de Nara, il était dans le Nara, donc il y a peut-être du courant, il y a peut-être des pierres, il a peur de tomber, etc. Ok ? Donc en deux mots, il se demande est-ce que Bémet il se touchait ou il ne se touchait pas ? Et pourquoi ça serait moutard de se toucher ? Parce qu'il y a la parade. Et Nil a dit mais il y a un autre problème, c'est quoi ? C'est de se cacher les parties, ça prouve que quoi ? Que tu as honte de ta brit mila ? Tu ne veux pas qu'on te voie ? Et ça, c'est une question très courante quand on va au Migvé. Est-ce qu'il faut avoir un minimum de tzniout quand on est au migvé? Ou bien non! Vouloir se cacher, ça veut dire que tu as honte de ta brit mila. Ve amar Rabbi Abba, amar Avuna, amar Av, kol amaniach yadav keneged panav shel matat, celui qui met ses mains en bas pour se cacher, qui le coffert bebrito shel Avraham Avinu. C'est comme si tu étais coffert dans la brite. Ben oui. C'est-à-dire que tu as honte de ton aspect physique. Sinon, tu ne te cacherais pas. Alors comment ça se cache pas devant la brit mila? Mais si, il met ses mains devant la brit mila, il peut. Oui, il se cache pas. Attends deux secondes. Donc la Gemara dit, même si on a éliminé le problème de Hirurim et de Shechvadzer Alevatala, il y a un autre problème. Comment il peut se cacher? Alors il cache la brit mila. C'est marqué.
C'est marqué ou c'est pas marqué? Toi, qu'est-ce que tu veux dire? Non, moi je veux dire, il cache pas la Brit Mila. Il veut être sa noix. Il veut pas cacher que. Il veut pas, pas montrer que c'est pas un juif. C'est magnifique ce que tu dis. C'est très beau. Mais moi je te pose une question. Regarde la Gemara. Kol amaniach yadav keneged panav shel matak, kilou kofer brito shel Avraham Avinu. Donc c'est marqué. Kilou kofer brito shel Avraham Avinu. Toi tu dis non, mais il est pas mis de kaven à ça. Ok, alors pourquoi elle dit ça la Gemara? Il cache pas la Brit Mila, il cache le matin. Il cache pas la Brit Mila. Mais si, finalement il crache la Brit Mila. La réponse de la Gemara, elle va dans ton sens. La Gemara dit l'okashia. Mais il faut être la Gemara pour répondre à un chiluk pareil. Aki nachit, aki salik. Ça dépend, est-ce que tu descends dans le fleuve, est-ce que tu descends dans le mikvé, ou là, personne ne te voit. Nachon, tu es tout seul. Tu es face à quoi? Face à l'eau. Il y a juste le fleuve devant toi, il y a le mikvé devant toi, il n'y a personne. Personne dans le mikvé. Donc là, si tu te caches, ça veut dire que tu as honte de ta Brit Mila. Mais si Bémet est en train de remonter les escaliers, remonter sur le bord du fleuve, et que tu te caches, alors là, ça s'appelle de la tsinout. Exactement ce que tu as dit. Mais il fallait être meyachev, la Gemara. Parce que toi, tu dis oui, mais il veut juste faire preuve de tsinout. Je suis d'accord. D'un autre côté, il y a marqué Kilou Koferbe, Brito Shalma Vaminou. Alors la Gemara, elle a trouvé le patin. Ça dépend si tu descends ou tu montes dans le fleuve. Il y a des Rava, Chaché. Rava, quand il remontait du fleuve, ou même quand il descendait apparemment, il se baissait, charré. Il était courbé pour pas qu'on voie sa Brit Mila. Rabbi Zera Zakiv. Rabbi Zera, lui, il sortait ou il rentrait, on va dire, la taille haute. Zokef Kifoufi. Ouais, il marchait droit. Rabbanan Deve Rabashi, il faisait le Kuns. C'est quoi? Ki Kanarte Zakfe. Quand il descendait, il se pliait en deux. Non, pardon. Ki Kanarte Zakfe. Quand il descendait, il se mettait droit. Parce que Bémet, il ne faut pas avoir honte. Là, il n'y a pas de tsinout à avoir. Il n'y a personne en face de toi. Tu es dans la douche. Il n'y a personne qui va se doucher. Hein? Il y a des chivotes où il n'y a pas de rideau de douche. Tout le monde est tout nu. J'ai des amis qui ont étudié dans ces chivotes-là. Ils se douchaient avec le maillot. Il avait honte. Tu comprends? Mais si Bémet, tu es dans ta douche, il n'y a personne qui te voit. Tu vas garder le maillot? Est-ce que là aussi, tu vas garder le maillot? Là, va être un chilo. C'est ça qu'on parle. Si Bémet, tu as honte de ta Brit Mila, même quand tu es tout seul, face à toi-même, face à la haut, face au fleuve, face au mikvé, alors là, c'est Kofer Bebrito Shel Avramin. Qui casse Salke, quand il sortait du fleuve, alors là, Chaché, il se baissait pour pas qu'on voie sa Brit. Pas parce qu'il avait honte, mais parce qu'il était de sa noix. Ok, ouais, donc, moralité, quelqu'un qui se balade au mikvé, comme ici, par exemple, en Eretz Israël, où il y a des mikvot assez grands, pas comme en France, où c'est des petits mikvot, mais ici, il y a de la place, il y a du monde. Il y a beaucoup de monde. Alors, si celui qui a honte, qui veut être sa noix, il a la possibilité, c'est moutard de se balader avec sa petite serviette jusqu'à ce qu'on arrive devant le mikvé. Dès que tu arrives devant le mikvé, tu enlèves la serviette et là tu rentres, mais là il n'y a plus de tsinout à voir parce qu'il n'y a plus personne avec toi. C'est clair. Ok. Mais on a Ravizera, c'est caché parce qu'on a appris dans Brachot que si c'est qui est, il est Zokef, il est comme Mitzgaï, bah, c'est pas bien, ça enlève la Réia. Non? Ok, mais il fallait pas. Là-bas, ce qui a marqué, c'est qu'il fallait pas être trop mitzgay. Vous voyez, zokef kifoufi, il faut marcher droit, pas trop droit. Et à l'inverse de plier en deux. Rabbi Zera avec Ashmishtamit midi Rav Yuda. Ça aussi, on a vu dans Brachot. Rabbi Zera, qui était élève de Rav Yuda, il se cachait de Rav Yuda. Il voulait pas le voir. Pourquoi? Des bails et misak la radisrael. Rabbi Zera, il voulait faire la alia. Il voulait monter en Eretz Israël. Rav Yuda, il disait que c'était assaut. Donc, il ne voulait pas le croiser pour pas qu'il interdise de monter en Israël. Parce que s'il l'interdisait, il serait obligé d'écouter. D'Amar Rabuda, Kola Olemi Babel et Israël, au verbe assez. Rabuda pensait que tout celui qui fait l'alia de Babel en Israël est au verbe assez. Pourquoi? Chez Neymar, Babel Ayouvou Shama. Babel Ayouvou. Hacham a dit au Ben Israël, je vous enverrai, je vous amènerai en Babel. Ve Shama Ayou. Et là-bas, vous serez jusqu'à ce que je vous délivre. Les Achavonim nous explique. Ceux qui sont allés en Babel, au temps de Nebuchadnezzar, et qui sont restés au temps de Ezra Sofer, ils ne sont pas montés en Israël pour le deuxième Beth Amikdash. Alors ils doivent rester là-bas jusqu'au troisième Beth Amikdash, jusqu'au Mashiach. Ils n'ont pas le droit de sortir. Karchita Rabbi Yehuda en tout cas. Mais ceux qui sont revenus en Israël et que finalement après ils sont partis en Galoute à cause des Romains, deuxième Beth Amikdash, et ils sont partis dans tout le monde entier, comme c'est notre cas à nous. On n'était pas en Irak, on n'était pas en Babel. On était en France, ou en Afrique du Nord, ou en Espagne, ou en Pologne, ou l'Omchané. Donc,
Étant donné que les Juifs sont partis d'Eretz-Israël, ils ont le droit de revenir en Eretz-Israël. Sur ça, Rabbi Yehuda, il a pas parlé. Rabbi Yehuda, il a parlé que des Juifs qui sont en Babel. Alors, qu'est-ce qu'il s'est dit, Rabbi Zera? Je ne veux pas le rencontrer, mais je vais encore tirer un limoud de mon Rav. On a vu dans Brachot qu'il était parti écouter un chiour. Et là-bas, le chiour, il était quelqu'un qui a oublié sa tefila et qu'il a eu des mauvaises odeurs, etc. Là, il vient, il ne va pas écouter un chiour, mais il veut apprendre des ma'asim. C'est-à-dire, Chochmat Chaim, la Chochmat Chaim de son maître. Izil Veshma Mine Milta, je vais aller écouter des choses de lui. Veite Veisik, et ensuite je m'en vais en Eretz Israël. Azal Ashkache de Kaï Bebane, il le trouve au bain, dans les bains, en train de se faire sa toilette. Vekamar le Shame, et il y a son Shamash, et violine à terre, amenez-moi du Néter, donc c'est une sorte de poudre pour se laver la tête, et violine Masrek, et amenez-moi un peigne. Pitrou pour Maïchou, ouvrez vos bouches, donc les autres aussi étaient en train de se laver, hein. C'était un bain public, il y avait du monde. Pitrou pour Maïchou, ouvrez votre bouche, il lui dit. Vafikou Evle, pour faire sortir votre chaleur qui est dans le corps. Vejtou Mimaya, et buvez de l'eau chaude, propre bien évidemment. Des bébanés, de l'eau qui a été chauffée pour se laver, avant qu'elle soit salie, buvez-en. Donc il fallait en boire. Voilà ce qu'il dit. Amar, alors Rabbi Zera qui entend ça, il dit, il m'allait. Le bâti est là, les chinois d'Avarzé, d'Aï. Si j'étais venu rien que pour entendre ça, ça aurait suffi. Non seulement j'ai entendu, mais en plus j'ai vu mon Rav. Je l'ai vu. Le fait de voir, c'est encore plus grand. Alors, quels sont les enseignements dans ces paroles de Rav Yehuda? Bishlama et Vionéter. On peut expliquer, hein. Si j'avais entendu que la première phrase, que la deuxième phrase, que la troisième phrase, puisqu'il a entendu plusieurs halakhot ici. Alors, la Gemara va décortiquer les halakhot. Bishlama et Vionéter et Viumasrek. Qui leur a dit, amenez-moi un peigne, amenez-moi le shampoing. Kamash Malan, Varim Shelchol, Moutar, le Bram, Bilshon Akodesh. Ah, il parlait Bilshon Akodesh. Même s'il était en Babel, il parlait Bilshon Akodesh. Donc le chidouch, il est que je peux parler Bilshon Akodesh, même si je suis dans la Hambatia. Alors que normalement, on aurait pu croire que c'est Azur, puisqu'on n'a pas le droit de parler de Divrei Torah. La Bilshon Akodesh, quand c'est amenez-moi mon shampoing, c'est Moutar. Ok? Premier chidouch. Deuxième chidouch, Pitrou Poumaïchou, ouvrez vos bouches. Veafikou, et voilà, pour faire sortir la chaleur du corps. Nami, ça aussi c'est un Kedesh Shmuel, c'est un Chidush de Amar Shmuel, Evla Mapik Evla. C'est-à-dire qu'il faut une sorte de dialyse de chaleur, faire sortir toute la chaleur qu'il y a dans le corps, ce qui est peut-être responsable de la transpiration d'un homme, hein, quand on transpire, c'est-à-dire qu'on a chaud, et pour faire rentrer Evla Mapik Evla, ça fait sortir la chaleur et ça la régénère, faire rentrer une nouvelle chaleur, celle du bain. Et là, Ashtu Maya de Bebane, Maima Eliuta. Je ne comprends pas c'est quoi la Gemara dit, je ne comprends pas c'est quoi la Maala de boire l'eau chaude quand on est dans la douche. Derech Agav, le Tashbet s'y demande. Et la Bracha, quand est-ce qu'on fait la Bracha? On ne peut pas la faire dehors parce que tu n'es pas encore dedans. Donc c'est un Shinui Makom. Donc si tu as fait la Bracha dehors, tu ne peux même pas boire. Il y en a qui veulent dire que, étant donné que cette Shtia, elle n'est pas parce que j'ai soif, j'ai pas envie de boire, surtout de l'eau chaude, c'est pas très bon de boire de l'eau chaude. Donc il n'y a pas de bracha à faire, parce que c'est une chtia qui est l'érefoua. Et quand la chtia est l'érefoua, il n'y a pas de bracha à faire, comme quand tu prends un médicament. Détania, achal veloshata. Alors la Gemara dit, c'est quoi la maala? La maala, c'est la suivante. Détania, achal veloshata, quelqu'un qui a mangé mais qui n'a pas bu, achilato dam. C'est pas bien. C'est pas bien de manger sans boire. Achilato dam. C'est pas bari. Ouais, c'est pas bari, exactement. Vezeo trilat rolimiaim, c'est ça qui va engendrer des problèmes intestinaux. C'est-à-dire que il va avoir des problèmes pour digérer. C'est comme si il avait mangé du sang. Comme ça, il dit. Oh, ok. L'eau chané, c'est pas bari. On continue. Donc il faut toujours boire après avoir mangé. D'ailleurs, c'est dans le Berkat Amazon. Il y a marqué au Machichatinou, il y est. Une fois. Razakoubo. Achal velo alach arba'amot. Il a mangé et il s'est endormi immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'a pas marché après avoir mangé. Au moins arba'amot. Achilato mera kevet. Sa achila, elle est mera kevet. C'est-à-dire qu'il ne va pas bien digérer aussi. Elle ne va pas être digérée dans son intestin. Vezeu trilat reach ra. Ça va, il va sentir mauvais de la bouche. Anisra achlenekav. Quelqu'un qui a besoin d'aller aux toilettes. Véachal, il a mangé. Domé le tanour chez Sukou al-Gabé Efro. C'est comme si on allumait le four sur la cendre. C'est-à-dire que hier, il y avait du bois qui a brûlé. Maintenant, c'est de la cendre. Et sur cette cendre, je ne l'enlève pas.
je nettoie pas le four. J'allume le feu sur la cendre. Ah, c'est pas bien. Ça aussi, c'est pareil, c'est pas bien. Vezeu trilat reach zohama. C'est ça qui va le, il va avoir beaucoup de transpiration. C'est-à-dire qu'il va toujours transpirer. Rachat vechamin veloshat amen. Il s'est douché à l'eau chaude, mais il n'en a pas bu. Domé les tanours shisiku mi bachot veshuku mi bafnim. C'est comme un tanour qu'on allume de l'extérieur. C'est-à-dire que tu mets le bois à l'extérieur du tanour. Est-ce que ça va être chaud? Ben non. Ben voilà, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il faut se laver l'extérieur, mais il faut aussi laver l'intérieur. C'est important. C'est pour ça qu'il faut boire de l'eau chaude. Boire l'eau chaude quand on est dans la douche, c'est comme si que finalement on lavait aussi l'intérieur. Rachat vechamin velonishtatef betonen. Il s'est levé à l'eau chaude et il s'est pas rincé à l'eau froide. Domé les barzels shichnisou laour. C'est comme du fer qu'on a fait rougir au feu. Et après, pour le durcir dans le coin, on le met dans l'eau froide. Vélo ichnesu letzonen. Le fer, il reste mou. Il faut le saisir dans l'eau. C'est pareil. Un homme, quand il prend sa douche chaude, il faut après mettre un coup d'eau froide. Rat velo sar. Si c'est lavé et il n'a pas enduit son corps avec de l'huile, domé les maïm. Algabi chavit. C'est comme quand on veut laver un fût de vin, une chavit. On va le laver à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc tu as lavé que l'extérieur, mais tu n'as pas lavé l'intérieur. Ça aussi, la sira, ça lave à l'intérieur des pores de la peau, et donc c'est pour ça que ici il a dit qu'il fallait boire en l'occurrence quand on se lave. J'ai pas compris, c'est quoi la halakha que Rabbi Yehuda il a donné quand il a dit de boire l'eau chaude? C'est pas une halakha, c'est un truc qui varie. Chazak, on n'a pas dit que c'était une halakha. C'est pour ça que dans Brachot, quand la Gemara ramène cette histoire avec Rabbi Zera et Rabbi Yehuda, mais elle ramène juste le début, qui voulait monter en Israël, elle n'a pas ramené la suite de l'histoire. Parce que dans Brachot, il voulait entendre une halakha de son Rav, et dans Shabbat, il veut entendre une Chochmat Chaim. D'accord? Un Derech Eretz. Comment on doit se comporter? C'est pas obligatoirement une halakha. Ici, ça fait référence à de la Rifoua. Mishnah. Mouliar Agarouf. Mouliar Agarouf, c'est une sorte de bouilloire. Des Géralim. Alors comment c'est, imagine une bouilloire en fer avec un petit compartiment sur le côté dans lequel je mets des guéchalim. Je mets l'eau, je mets les guéchalim et l'eau elle chauffe. Et ça reste chaud. Ok? Maintenant si j'ai enlevé les guéchalim et Erev Shabbat, je peux garder l'eau chaude dedans. Ça reste chaud. Mouliach agarouf, shotin imenu be Shabbat. Je peux boire de l'eau chaude de cette bouilloire pendant Shabbat. Parce que le kli il est chaud, mais il n'y a pas de braise dedans. Ok? Antiki, c'est plus chaud encore. Afalpi chez Groufa, même si on a enlevé les braises, en shotini, mais non, on n'aura pas le droit de boire. Pourquoi? Alors, d'après certains rishonim, c'est parce que c'est maretaï. Étant donné que l'eau est très chaude et qu'il y a les guéchalim, on ne les voit pas. C'est-à-dire que, comment c'est le mouillard agarouf, c'est une bouilloire en fer avec un petit compartiment pour mettre les braises sur le côté. Alors que l'antiki, les braises, elles sont dessous, on ne les voit pas. Donc les gens ils croient qu'il y a encore des braises dessous. Donc c'est pour ça qu'à cause de Maritaïne, tu ne bois pas. Parce que c'est toujours très très chaud. Là-bas, c'est tout le temps chaud. Et donc c'est pour ça que c'est un sourd pendant Shabbat. Ça c'est Shitat à Rashi. Expliqué d'après le Ritva. Le Tosot, non, c'est un problème de Bichoul. Étant donné que dans le Antichi, l'eau est très très chaude. Avec cette eau chaude, il mettait dans le vin. Il coupait le vin avec l'eau. Si c'est dans le Mouliach Agarouf, l'eau elle est chaude. Mais c'est pas mes Vachel. Donc je peux mettre du vin dedans. Mettre l'eau chaude avec du vin, ça ne sera pas mes vachettes. Alors que l'antichi, l'eau est brûlante. Et si je mets du vin avec cette eau, c'est mes vachettes. Echidame Moulia Chagarouf, la Gemara demande c'est quoi Moulia Chagarouf? Tana Amaïm et Bifnim, les Gechalim et Bachout. L'eau est à l'intérieur et les Gechalim sont à l'extérieur. Antichi, c'est quoi le antichi? Alors en fait, on a une marloquette. Rabba Amar Bekire, c'est comme une Kira. C'est quoi une Kira? On avait vu, c'est là où on mettait la casserole. Alors il y avait le même système pour l'eau. C'est-à-dire que j'ai deux compartiments, comme dans une kira où j'ai deux compartiments pour la casserole. Là, j'ai deux compartiments, une pour les braises et une pour l'eau. Le truc, c'est que, étant donné que c'est fait en argile, en chès, et que les tfanotes, les parois sont très épaisses, et que c'était toujours chaud, il y avait toujours des braises toute la semaine, donc les parois gardent la chaleur tout le temps. Donc l'eau reste tout le temps très chaude. C'est pour ça que c'est à saut. Soit d'après toi, soit parce que c'est Bichoul, d'après Rashi, parce que c'est Maritaïn, les gens ils vont croire qu'il y a encore les braises pendant Shabbat, tellement c'est chaud. Rabba Amar Bekire, Rabba Nachman Bar Yitzhak Amar Bedoudé.
Bedoudé, c'est comme j'ai expliqué, c'est une sorte de bouilloire en fer ou en cuivre, on va voir, avec un compartiment dessous où on mettait les braises et c'était fermé. Donc on ne voit pas s'il y a les braises ou pas. Et même si on les a enlevées, ça reste très très chaud parce que le feu n'est pas sur le côté, le feu est dessous. Donc le feu, il a chauffé tout le temps l'eau et même le keli. Mandamar Bedoudé, celui qui dit que c'est un keli en cuivre. Kocheken Bekir et Kocheken que ça serait interdit quand c'est en argile. Pourquoi ? Quand c'est en chrèze, ça tient la chaleur encore plus longtemps. Ou Mandé Amar Bekiré, par contre, celui qui pense que c'est Bekiré, seulement ça, c'est assour. Aval Bedoudé, l'eau, ça sera moutard. Parce que c'est en cuivre et ça se refroidit plus vite. Tania Kavete de Rav Nachman, la Gemara dit j'ai une braïta qui va comme Rav Nachman Bar Yitzhak, que et en chrèze et en cuivre, ça assour. Puisqu'il y a marqué un tiré à Fapi chez Groufa Oktouma, même si elle est Groufa Oktouma, même si elle est, on a enlevé les braises, les Chagab et les Acharonim, ils disent que Groufa, ça ne marchera pas hein, dans le Mouliara Garouf. Hein, il y a marqué un tiré. Le katoum, pardon, de recouvrir les braises de cendre, ça ne marche pas, il faut les enlever. Là, il est marqué, même si Garouf et katoum, enchotin mena, mipineche nechoshta mechamemata. Le nechoshet, c'est mechamemlo. Donc on voit que sur un tiri, il est fait en quoi? Pas en cheret, il est fait en nechoshet, en fer. Mishnah, amecham, shepinaou, amecham, une bouilloire. Donc quand je dis bouilloire, ce n'est pas les bouilloires qu'on a nous électriques. Bouilloire, ça veut dire que c'était des thermos, des grosses. Casserole en fer, elles étaient toutes en fer pour tenir l'eau au chaud. Ok ? Non, imagine, tu enlèves cette bouilloire du feu. Chez Pinao, c'est Clérichon ? Oui, parce que c'était sur le feu. L'eau, elle est chaude ? Oui. Brûlante. L'eau éteinte est au chotsonen. Tu ne peux pas mettre de l'eau froide dedans. Pourquoi ? Parce que si tu mets de l'eau froide dedans, qu'est-ce qui se passe ? Bichou. Ça réchauffe. C'est mes vachelles. C'est mes vachelles, l'eau froide. L'eau éteinte est au chotsonen, bichou de chez Echamo, pour que ça se réchauffe. Aval, noten ou les tocho, mais tu peux mettre dedans, ou les tochakos dans un verre, kedej le afshiran pour que ça soit tiède. Donc ça ne sera pas brûlant, le résultat sera tiède, donc il n'y aura pas eu bichou. Un peu comme quand. C'était brahman. Oh. Tu enlèves la chaleur de l'eau chaude et tu la mets dans l'eau froide. Bien fait. Mais l'eau n'est pas arrivée à Yatsuvet Edbo. C'est-à-dire que le résultat, c'est comme quand on chauffe un biberon d'un enfant, tu ne veux pas que ça soit brûlant. Toi, quand tu bois ton café, tu peux le boire très très chaud. Un bébé, quand il boit son biberon, il peut pas le boire brûlant. Donc c'est juste pas cher, c'est tiède. Ça, c'est moutard. La problématique de la Mishnah, c'est je comprends pas comment elle marche. C'est ce que demande la Gemara. Maïke Amar. C'est-à-dire quand Maïke Amar, on comprend pas comment elle marche la Mishnah. Je te lis la Mishnah. Amicham, shepina ou loiten et tochotsonen. Amicham, qu'on a enlevé du feu, on n'a pas le droit de mettre l'eau froide dedans. Aval noten ou le tocho, mais on peut mettre dedans. Qu'est-ce que tu racontes là? Amicham, on n'a pas le droit de mettre de l'eau froide dedans, mais on peut mettre dedans. On peut mettre ou on peut pas mettre? C'est chenille. Mais non. Aval, noten ou les tocho. Oh, les tochakos. Ça, c'est clichéni. Donc, les tocho, c'est quoi? C'est dans le mecham. Donc, on a le droit de mettre ou on n'a pas le droit? C'est la question d'Agma. Maïka Amar. Alors, l'Agma a dit deux réponses. Première réponse. Amar avada bar matna. Achike Amar. Amicham, chez pina mimeno maïm. Tu as pris l'eau, le koumkoum qui était sur le feu? Oui. Il est chaud, brûlant. Et l'eau, brûlante. Tu enlèves l'eau. Tu sers le café. Tout le monde a eu du café? Oui. Non, il manque un qui n'a pas eu de café. C'est-à-dire que tout le monde a reçu de l'eau chaude, à part une personne. Tu dis, mais c'est pas un problème. Vous savez ce que je vais faire? Je prends de l'eau froide, je mets à l'intérieur, étant donné que le clé, il est brûlant, l'eau, elle va chauffer. Chauffer. Assaut. Amicham, shepina mimino maïm. Un mecham dont on a vidé son eau, maïm chamim, loïten le tocho maïm muatim, ne mets pas un petit peu d'eau dedans pour réchauffer, kedeshe chamou, pourquoi? Parce que c'est bichoul, ça c'est un vrai bichoul. Aval, noten le tocho maïm merubim, par contre si tu mets une tonne d'eau dedans, c'est-à-dire que le kli il est vide, ok il est brûlant, mais il est vide, tu mets une tonne d'eau dedans, qu'est-ce qui va se passer? L'eau elle va devenir tiède, elle va pas devenir chaude, parce que l'eau elle est glacée. Donc c'est moutard de mettre de l'eau pour que ça devienne tiède, parce qu'il n'y a pas de bichoule. Par contre, c'est assourd de mettre de l'eau. C'est assourd de mettre de l'eau pour que ça devienne chaud, parce que c'est bichoule. D'accord ? Donc c'est moutard de mettre de l'eau, beaucoup d'eau, parce que c'est tiède, mais pas beaucoup, mais pas un peu. Aval noten et tocho maïm merubim kedel afshira. Beaucoup demandent, arrête, qu'est-ce qu'on fait avec mes vachelles kedel klipa ? Arrêtez, même si je mets une tonne d'eau, et que je la mets d'un coup, hein, évidemment, on n'a pas le droit de mettre un petit peu, un petit peu, un petit peu. Je mets d'un coup une tonne d'eau, mais finalement, la première goutte d'eau qui va toucher les parois, elle est brûlante. Ça va être une vachelle qui n'écrit pas. Mais mec, il y en a qui disent,
le pneu choua, je crois, que qu'elle n'écrit pas seulement dans les sourds véhétères, c'est pas dans un Shabbat, un chidouche. C'est-à-dire que même si ça se cuit, le peu que ça cuit, c'est pas bichou d'après dans Shabbat. Dans les sourds véhétères, quand c'est pas servi chalab, on considère qu'elle n'écrit pas comme un issour, mais pas ici. Ok. L'agnora demande, mais je comprends pas, il y a un autre problème, c'est quoi? Quand tu mets de l'eau froide à l'intérieur d'un cli qui est brûlant, qu'est-ce qui se passe? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, je prends un cli, je prends du fer, je le fais chauffer, et après dans quoi je le mets? Dans l'eau froide, ça le saisit. Ben, ça aussi c'est pareil, quand tu mets de l'eau froide à l'intérieur, ben, l'eau met de sa ref. C'est quoi met de sa ref? Ben, tu le saisis. Donc c'est comme, tu le consolides. C'est-à-dire que le cli, quand il est dans le feu, à l'époque ils n'avaient pas les kelim comme on a aujourd'hui. C'est-à-dire que nous aujourd'hui tu laisses une casserole sur le feu, elle ne va pas s'abîmer. À l'époque, la matière, les kélims, ils étaient fins, ils étaient pas très épais. Donc, Bémet, il y a que dans le feu, ils se rendaient mous, ils devenaient mous. Okay, ok. Maintenant, quand toi, tu vis de l'eau froide, l'eau chaude, et tu mets de l'eau froide dedans, qu'est-ce que tu fais? Tu le consolides. Donc, tu mets de sa rêve, c'est un sourd et Shabbat. Tu mets ta canne mana, tu mets ta canne incli. La Gemara répond, Rabbi Shimon, non, on est d'abord ici d'après Rabbi Shimon. Damar, Shem, Mitkaven, Outar. Étant donné que tu n'es pas Mitkaven d'être Metzaref, et peut-être c'est même pas sûr, toi, soit tu dis, on ne dit pas que c'est psychréché parce que sinon on sera sourd, c'est pas sûr qu'il va y avoir ici Metzaref parce qu'il était plein, n'oublions pas. Alors, quand est-ce que je fais un vrai tsirouf? Quand est-ce que je peux faire de la. On peut qualifier de tsirouf? C'est quand le cli il est vide, je le mets dans le feu, et après je le mets dans l'eau chaude, dans l'eau froide. Là, je suis Metzaref. Mais là, le cli était plein d'eau. Donc ça a empêché vraiment le cli de s'abîmer. Donc. C'est pour ça qu'ici, c'est pas psychrécha. Et d'après Rabbi Shimon, d'avoir Shimon Mitkaven, c'est moutard. Ça, c'est le premier pshat. Derech Agav, Marc Luquette, dans les chenilles entre Rashi et le Rajba, est-ce que d'avoir Shimon Mitkaven d'après Rabbi Uda, c'est Deoraita, Karchitata Rajba, ou bien Deoraita, c'est moutard, c'est une sorte d'Erabana. Mat kifla Abaye, viens Abaye et dis je crois en bas. Mide, Mecham, Shepina, Mimino, Maim Katane, est-ce que dans la Mishnah, on te parle d'un Mecham dont on a enlevé l'eau? Qu'est-ce qu'il y a marqué dans la Mishnah? Mecham, Shepina, Pinaou, pas que chez Pinamimenomaim. On parle pas d'un mecham qu'on a enlevé l'eau. On parle d'un mecham qu'on a enlevé du feu. Toi, tu m'as inventé qu'on a enlevé l'eau. C'est pas marqué dans le Mishnah. Mide mecham chez Pinamimenomaim katane, mecham chez Pinaou katane. On parle d'un mecham qu'on a enlevé du feu. Et là, Marabaye Achekama, comme ça il faut lire. Un mecham chez Pinaou, un mecham qu'on a enlevé du feu. Viajbo maim, chamin, il y a de l'eau froide, il y a de l'eau chaude dedans, brûlante. Loïten et Tochomaim moatim, ne mets pas un peu d'eau froide dedans. Pourquoi? Bichoul. Pour que ça se réchauffe. Aval, noten les tochos, maïm et mais tu mets plein d'eau, qu'est-ce que tu as? Parce que là, à Bémet, s'il n'y a pas beaucoup d'eau chaude et plein d'eau froide, alors l'eau, le résultat sera tiède. Ça, c'est mouta. Ou mecham shepina mimnoumaïm. Par contre, si tu avais enlevé l'eau chaude de ce mecham et que tu voulais mettre de l'eau froide, même beaucoup, c'est assour, parce que c'est metzaref. L'eau iten les tochos, maïm, kol ikar, assour, mi pene shem metzaref. Verabuda, ici on est d'après Rabuda, d'Amar, d'Avar, Shemin Kaven, Asso. Donc d'après Abaye, ici on ne parle pas que tu as enlevé l'eau, on parle que l'eau elle est dedans. Si tu mets beaucoup, c'est tiède. Si tu mets peu, c'est encore chaud, donc c'est bichoul. Par contre, si on a enlevé l'eau chaude du cli et que tu mets de l'eau froide, ça c'est Metzaref, on est d'après Rabuda, d'Avar, Shemin Kaven, Asso. Amara, Avlo, Shanul, Aliafshir. Tout ce qu'on a parlé ici c'est pour le rendre tiède. Avaler Tsaref, Asso. Mais si Bémet tu veux être Metzaref, c'est-à-dire consolider le cli, c'est Asso. Choualamar a fumé Tsaref, Nami Moutar. Je lui ai dit, tu sais quoi, même si tu veux constituer le cli, c'est moutard. Donc, mais comment c'est possible? Alors, c'est Shabbat, c'est assour. Les tsaref, les khatrila, micharé, personne ne va être matière un truc pareil. Les khatrila d'être tsaref, un casse d'avoir. Et là, itmar, c'est comme ça qu'il faut lire. Et comme ça qu'il faut dire, amarab, le chanou, la shiur, le afshir. Tout ce qu'on a permis, c'est de mettre de l'eau pour que ça soit mafshir. C'est-à-dire que ça va pas, tu vas pas remplir le keli à rabord. Alors, quand j'ai un keli et j'ai de l'eau chaude dedans, est-ce qu'il est rempli à bord? Quand je mets une casserole sur la plaque, elle est remplie à bord? Non. Ben non, elle n'est jamais remplie à bord. Il y a toujours une partie en haut qui est vide. Ok. Comme ça, ils expliquent les richonniers. Si Bémet, j'ai enlevé l'eau, et que cette partie vide, elle n'était jamais en contact avec le liquide. Tout à l'heure, j'ai dit que le liquide à l'intérieur, il fait en sorte que le cli, il ne devient pas très très mou. Mais la partie en haut, elle n'était pas avec le liquide. La partie en haut qui était vide, celle-là, peut-être qu'il va y avoir un tsirouf sur cette partie. Donc c'est pour ça qu'il te dit, Rav, le chano, la shur, l'afshir, si tu mets de l'eau juste pour que ça soit tiède, mais pas jusqu'en haut. Ah ben, le shur, les tsarev, si tu montes jusqu'en haut, Omer Rashi,
Shemilaou Kulo, tu l'as rempli entièrement. Alors là, Rabbi dira, il y a un problème de Metzaref, Assour. Mais Shmuel Amar Afilou Shion Letzaref, Shmuel dit, même si tu l'as mis jusqu'en haut, c'est moutard, parce que tu n'as pas mis de Kaven et de Metzaref, et même ça, ça ne s'appelle pas que c'est Vadek, ça sera un Metzaref, c'est pas psychréchant. Donc on voit que Shmuel, il pense comme Rabbi Shimon, que d'avoir chez Nomi de Kaven, c'est moutard. Les Emra de Shmuel, Rabbi Shimon, s'il va aller, va Amar Shmuel, pourtant Shmuel a dit, mais Rabbi Gachelet, Shel Matechet Birchut Arabim. Imagine quelqu'un, il voit dans le Rechut Arabim, les gens, ils marchent, et il risque de se faire mal. Il y a une braise en fer, du fer rouge. Tu as le droit de l'éteindre. Tu vas, tu appuies dessus avec ton pied, bien sûr avec des chaussures, ou avec du bois, ou avec n'importe quoi. Ou même, tu sais quoi, tu balances de l'eau dessus. Parce que ça ne s'appelle pas une melacha. D'éteindre le fer, ce n'est pas une melacha. Parce que c'est un morceau, et ce n'est pas metzaref, parce que ce n'est pas un kli. Ok ? Bishvil shilu azuku barabim, pour pas que les gens se fassent mal. Aval, lo gachelet shel etz. Mais si c'est une braise de bois, comme du charbon de bois qui est rouge, comme il y a pour les barbecues, alors là, c'est assourd de l'éteindre. Pourquoi ? Parce que là, tu fais un kli, tu fais un charbon de bois. D'accord ? Ah, mais c'est quoi ta kavana ? C'est que les gens ne se fassent pas mal. Tu n'es pas en train de faire du charbon de bois. Alors pourquoi c'est assourd ? Machemak Shmuel, il pense que tu as chez une nomie de kaven, assourd. Vissal Kalatar, savoir là, Rabbi Shimon. Si Bémet, il pensait comme Rabbi Shimon, a filouché et Nami. Même en bois, ça devrait être moutard. C'est clair ? Donc la Gemara demande. Comment Shmuel ici, il dit que même si tu veux être Metzaref, même si c'est Metzaref l'eau Nora, arrête, tu n'es pas mis de Kaven, et d'après Rabbi Shimon, c'est moutard, arrête dans la Matechet, dans le Gachelet, pardon, il a interdit, alors là, d'après Rabbi Shimon, ça devrait être moutard. La Gemara répond, ça n'a rien à voir, la Gachelet, la braise, c'est Melacha chez Natsricha Ligoufa, c'est pas d'avoir chez Nomi de Kaven, arrête, quand tu éteins, tu fais une braise, quand tu éteins, tu veux éteindre. C'est juste que tu n'as pas besoin qu'elle soit éteinte, tu aurais préféré qu'il n'y ait pas de feu. Pour que les gens ne se fassent pas mal. Ça s'appelle Menacha Shenat Sacharel Goufa. Là, Shmuel, il est collègue sur Rabbi Shimon. Il pense comme Rabbi Yudak, c'est assourd. Par contre, dans Davar Shemin Kaven, il est d'accord. Mais Davar Shemin Kaven, ça va là que Rabbi Shimon. Dans Davar Shemin Kaven, il est d'accord avec Rabbi Shimon. Mais Menacha Shenat Sacharel Goufa, ça va là que Rabbi Yudak. Par contre, dans Menacha Shenat Sacharel Goufa, il est d'accord avec Rabbi Yudak. Amar Rabina, et après je reviens sur la différence entre Menacha Shenat Sacharel Goufa et Davar Shemin Kaven. Amar Rabina, il est car. Donc, Kotz Birchut Arbim, si je trouve des épines. Ouais, des kotsim, des choses qui peuvent faire mal dans le Rechut Arabim, les gens peuvent se faire mal avec. Moliro pachot pachot mi'arba amot. Je vais les pousser, arba amot, pachot mi'arba amot. Je vais pas faire arba amot d'un coup, mais je vais les pousser pour les mettre sur le côté. Pachot pachot arba amot pour que les gens se fassent pas mal. Parce que c'est bimkom chez le yazuku rabim. Ou bekarbenit, et pachot pachot mi'arba amot, c'est moutard. Ok? Ah, c'est assourd des rabbanan, mais bim comme chez le Zoukourabim, le issour des rabbanan a été permis. Ou bien carmélite, si on est dans un carmélite ou là, bichlal, c'est de porter, c'est qu'un issour des rabbanan, à filou tout va, j'ai le droit de les porter complètement. Donc ici, avant d'aborder le sujet de Melachachinat Srelioufa, on voit que si Bémet c'est un issour des rabbanan, comme par exemple Davar Shomit Kaven, comme par exemple comme Melachachinat Srelioufa, comme par exemple de porter parchot parchot narbamod, de ne pas faire narbamod d'un coup dans le Rabim, bimkom nezek, pour pas que les gens se fassent mal, c'est moutard. Comme on avait vu par exemple, j'ai le droit de mettre un kli sur un nachash, mais nachash est natsrich aligoufa, pour pas que le nachash y pique. Ah, c'est tseda. Non, c'est nachash est natsrich aligoufa, bimkom tsahar, bimkom nezek, c'est moutard. Donc quelle est la différence entre nachash est natsrich aligoufa et d'avoir chez Nomi de Kaven ? Alors, toi, soit tu dis, bémet, tout. D'avoir chez Nomid Kaven, c'est aussi Melacha Shenat Sricha Ligoufa. C'est d'ailleurs pour ça, toi soit il dit, qu'on a dit, ben, comment Shmuel il peut penser comme Rabbi Shimon, ici chez nous, dans D'avoir chez Nomid Kaven, arrête dans Melacha Shenat Sricha Ligoufa, il est cholek. Mais la question elle est, mais quel rapport? Dans D'avoir chez, et c'est la réponse d'ailleurs, dans D'avoir chez Nomid Kaven, il est d'accord, dans Melacha Shenat Sricha Ligoufa, il est cholek. Il va pas penser tout comme Rabbi Shimon, ça n'a rien à voir. Pourquoi tu mélanges les deux? Omer te saute. Si, ça a à voir. Le éther de Rabbi Shimon dans d'avoir chemin de kaven, mais choum chez kol d'avoir chemin de kaven, à part le fait qu'il n'ait pas mis de kaven de, par exemple, traîner un banc, même si ça fait un sillon, eh ben ça sera melacha shenat sricha ligoufa parce que tu n'as pas besoin de sillon. Ou gam melacha shenat sricha ligoufa. Donc la Gemara dans la Vamina, elle a fait un amalgame entre les deux. Elle a dit tout le éther de d'avoir chemin de kaven, c'est parce que c'est melacha shenat sricha ligoufa. Aussi, à part le fait que tu ne sois pas mis de kaven, c'est que tu n'as pas vraiment besoin du sion, tu n'as pas vraiment besoin de la totsa. Donc c'est Melacha Shenat Sricha Ligoufa. Donc on pensait,
à juste titre, comme ça ils disent de sotte, que si Shmuel il pense comme Rabbi Shimon dans Davar Shalom Mitkaven, c'est qu'il pense aussi comme lui dans Melacha Shenat Sreloufa. Réponse, ça n'a rien à voir. Davar Shalom Mitkaven, c'est parce que je sais que ça va pas, je sais, je suis pas sûr que ça va arriver, donc je suis pas Mitkaven et c'est pas Melacha Shenat Sreloufa parce que je suis pas, j'ai aucune kavana de faire un sion, je traîne un banc, donc je fais pas la Melacha de sion. Et ne me dis pas, oui, j'ai pas besoin du sion, mais j'ai pas envie de faire un sion, mais là, je fais pas un sion. Je porte un banc. Alors que Melacha Shenat Sreloufa Goufa, je suis en train de faire une Melacha dont je n'ai pas besoin. Je suis en train de faire la tseda du Nahash, mais je n'ai pas besoin du Nahash. Ok ? Ça, c'est le psa d'après Tosot. D'après le Ritva, pas du tout. D'après le Ritva, Davar Shen Mitkaven et Melacha Shen Sri Khaligoufa ont le même écor. Pourquoi Rabbi Shimon il est matir ? Parce que ce n'est pas Melacha Melechet Mahashevet. Alors, dans Shabbat, on n'a pas interdit tous les travaux. Quels sont les Melachot interdits Shabbat ? Melechet Mahashevet Asra Torah. C'est-à-dire qu'il faut avoir la kavana de faire quelque chose de construit. Mais si tu n'as pas la kavana de faire quelque chose de construit, alors c'est pas Melechet Mahashevet, c'est pas Asur Shabbat. Donc d'avoir Shenu Mitkaven, c'est pas Melechet Mahashevet, puisque tu n'as pas envie de faire un sion. Melechet Shenatzrel Goufa, c'est pas Melechet Mahashevet, parce que finalement tu n'as pas besoin de la Totsa. Donc le Ritva, il dit, c'est le même écor. Donc s'il pense comme Rabbi Shimon d'avoir Shenu Mitkaven, il pense comme Rabbi Shimon dans Melechet Shenatzrel Goufa, parce que c'est la même base. C'est d'avoir, c'est pas Melechet Mahashevet. Tirutz. Même si c'est la même base, néanmoins, Shmuel il pensera comme Rabbi Shimon dans Davar Shemin Kaved, mais pas dans Melacha Shenat Sri Khaligoufa.